Bien bonjour à toutes et à tous pour cette rencontre autour d'un sujet qui intéresse le groupe Culture de la France Insoumise, mais pas que. Quel service public face à Amazon, Netflix et Ubisoft? Alors pourquoi ce sujet un peu, on va dire, provocateur, puisqu'on nomme des interlocuteurs de l'industrie culturelle, numérisée en tout cas. Pourquoi ? Eh bien parce que la crise du Covid-19 a mis en évidence des pratiques individuelles, individualisées, et c'était bien normal, et des pratiques numérisées. Et cet état de fait a fait que les industries de ce monde-là, celles que nous nommons, par exemple, Amazon, Netflix et Ubisoft, ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Cet état de fait nous renvoie à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les industries culturelles traditionnelles? Alors, la question est, quel est du marché ou de l'État l'élément déterminant dans l'investissement culturel? Une des spécificités de la culture est que ce domaine ne peut pas se combiner avec les deux. Et en raisonnant à l'extrême, et de façon schématique, on peut dire que le tout marché conduirait à n'investir que dans des productions culturelles rentables, et il s'en suivrait évidemment des tendances de standardisation, de concentration, et à l'inverse, l'investissement uniquement de l'État conduirait évidemment un art officiel. Donc la question que nous nous posons, c'est quelle peut être, dans ce cas de figure, la position d'un gouvernement de la France insoumise. Pour pouvoir parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir autour de cette table, alors à mon extrême gauche, Juliette Prissard, qui est aux relations européennes à la Procirep. La Procirep est est une association, hein, c'est cela, Juliette? Voilà. Et ensuite, Alexandre Schaun, qui est animateur du livret numérique, à Bonjour. Ma gauche, quelqu'un que je n'ai peut-être pas besoin de présenter, Hugo Bernalicis, Bonjour. Qui se trouve être aussi à la commission, alors qui est député, bien sûr, ça, tout le monde le sait, mais qui est à la commission des jeux vidéo. Alors, pas la commission, mais ça ressemble un peu à ça, c'est le groupe d'études. Groupe d'études, sur les jeux vidéo, oui, tout à fait. D'accord, parfait. Et à ma droite, Mylène Lourdel, qui est. Alors, ta fonction, c'est. Consultante marketing pour les jeux vidéo. Consultante marketing pour les jeux vidéo et trésorière de l'association Women in Games France. Donc, du coup, voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder un constat. En fait, nous allons faire le constat de ce qui se passe actuellement, un état des lieux. Et dans un deuxième temps, nous aborderons les choses sous l'angle de politique culturelle, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État peut faire pour bien préserver la diversité et être toujours dans sa fonction de démocratisation culturelle. Voilà. C'est pas nouveau que l'État se mêle de ça, et même nous avons un passé assez riche. Je vais citer quelques exemples pour qu'on ait une représentation des choses.
Par exemple, nous avons, et je pense que Juliette en parlera, le CNC, qui est un organisme qui permet, grâce à une taxation de la billetterie du cinéma, mais pas que, mais enfin bon, notamment celle-ci, d'alimenter la création audiovisuelle. Et c'est ce que nous appelons un cercle vertueux, c'est-à-dire que ce qui marche le mieux de manière marchande va permettre à la création, l'innovation, voire l'expérimentation dans ce domaine-là. Autre exemple que l'on peut citer, le prix unique du livre, qui avait été fait pour faire face effectivement à le fait que, évidemment, des grosses entreprises comme la FNAC se mettaient à baisser les prix et que les librairies ne se trouvaient plus en capacité d'attirer une clientèle. Donc ça, c'est un rôle de l'État que de faire cette chose-là. Et puis, dernièrement, on a remis au goût du jour, et je crois que c'est Jacques Lang, au moment de la crise du Covid-19, en parlant du plan Marshall. Alors, le plan Marshall, c'est quoi ? C'est de la commande publique, en quelque sorte. Ça veut dire qu'on vient passer des commandes à des artistes, et ainsi, on soutient sa production nationale, ce que les Américains ont su très bien faire, et qui a fait qu'ils étaient sur le devant de la création artistique. Je vais donc passer la parole à Alexandre pour nous parler de son point de vue et du point de vue du livret numérique, de la situation créée par ces plateformes et autres entreprises qui s'adressent au numérique. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup aussi au livret numérique, au livret culture d'avoir convié le livret numérique à ce rendez-vous. Alors effectivement, en moins de 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant sur l'impact vraiment des sociétés du numérique à échelle française et européenne ? Un certain nombre de choses. Déjà, vous savez que le numérique, mais ce n'est pas le propre du secteur numérique, est l'un des principaux champions en termes de pratiques d'optimisation ou d'évasion fiscale à travers l'ensemble du continent européen et à l'ensemble de différents États et paradis fiscaux mondiaux. Donc c'est l'un des secteurs qui manipule avec le plus de dextérité, même si c'est pas si c'est pas forcément les secteurs les plus compétitifs sur ce marché de l'évasion fiscale, mais ils sont des pratiques assez élaborées. Sur cette question-là, on va prendre, puisqu'on est sur le cas de l'industrie vidéoludique, le cas notamment du Canada. Vous le savez peut-être, vous en avez entendu parler, le Canada est un des principaux paradis fiscaux pour le secteur de l'industrie vidéoludique. Je vous prends un exemple assez emblématique, qui est l'exemple d'Ubisoft, qui a quand même un siège dans la région parisienne, qui est quand même une société française à la base, mais qui a réparti une partie de ses activités aussi en Amérique du Nord. Et donc, ils se sont implantés depuis déjà un certain nombre d'années au Canada, tout simplement à Montréal, tout ce qui est la région Québec, etc. À Montréal, ils se sont implantés dans cet immeuble que vous voyez ici. Ils étaient au début au 5e étage, et finalement, ils ont l'ensemble de l'immeuble maintenant. Alors, c'est quand même une société extrêmement florissante, puisque avec les différentes licences qu'ils ont, Assassin's Creed, différentes licences par exemple qui apparaissent jusque-là, les Rayman, etc., les Lapins Crétins, etc. Donc vous avez un certain nombre de licences à succès qui font qu'aujourd'hui on est sur une capitalisation qui s'évalue à une dizaine de milliards d'euros, de dollars, pardon, j'ai mis euros mais c'est un automatisme, en 2018, avec un chiffre d'affaires de 1,73 milliard de dollars également en 2018. Avec une localisation qui s'explique au niveau du Canada avec un certain nombre de subventions qui leur sont allouées, enfin des aides, qui sont en fait des crédits d'impôt que notamment le Québec
et le Canada donne. Et donc, vous avez au total plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui, au niveau du Canada, avec plus de 500 studios qui sont implantés sur le Canada et sur le Québec au total. Donc, ils ont réussi à travers un levier fiscal à créer finalement une niche sur laquelle beaucoup de studios de jeux vidéo s'engouffrent. Et donc, au final, c'est 190 millions d'euros de crédit d'impôt qui ont été déployés ces dernières années pour essayer d'aider, en tout cas d'attirer ces personnes-là. Vous avez d'autres États qui ont recours à ça. Alors ça, c'est une première pratique qui est à travers aussi le problème se fait avec les magasins en ligne. Vous avez le Nintendo Shop, etc. Toutes ces entités d'achat et de micro-paiement en ligne de jeux vidéo sont dématérialisées et sont parfois localisées dans le Delaware, etc. Et dernier élément qui va montrer, c'est qu'à la fois il y a une assise fiscale, mais vous avez également une assise en termes d'influence. Vous le savez, le consortium du lobby du jeu vidéo en Europe est un lobby extrêmement puissant qui est lié avec Digital Europe notamment, qui sont les principales entreprises, le lobbying d'entreprises de jeux vidéo au niveau de l'Union européenne. Donc c'est un lobby extrêmement bien constitué et je vais vous prendre un exemple à travers Netflix très rapidement. Alors, la personne que vous voyez ici, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est un lobbyiste. Hein. Donc, moins vous en entendez parler, et mieux les lobbies se portent. Il s'appelle Michal Radicki. Alors, Michal Radicki, il vient de Slovaquie. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a été recruté en juin 2020, donc il y a moins de 3 mois, comme manager en public policy, donc en politique publique pour Netflix, à Amsterdam, dans les bureaux d'Amsterdam. Puisque vous avez au niveau de l'Union européenne une directive qui a été votée il y a quelques temps, qui est la directive SMA, qui s'occupe notamment de tout ce qui est la question de l'audiovisuel, etc., au niveau de l'Union européenne. Et actuellement, on est dans une phase, vous le savez peut-être, de transposition dans les différents droits nationaux de cette directive SMA. Et comme ils ont perdu un certain nombre de batailles qui a implanté dans la directive SMA l'obligation de mettre un certain nombre de 30%, je crois, de produits culturels européens dans le mix de différents médias, etc., et bien maintenant, ils essayent de se rattraper au niveau des transpositions nationales. Et vous voyez que Michal Radicki, il a un cursus tout à fait intéressant puisque Netflix, par exemple, l'a racheté très chèrement puisqu'il a un profil tout à fait intéressant. Il a fait sa carrière pendant 8 ans au Conseil européen, en charge de tout ce qui est politique d'audiovisuel. Si vous remontez un petit peu dans le temps, il a été au ministère en Slovaquie sur les publics audiovisuels. Il a été même dans le lobby de l'ERGA, qui est le lobby du public de l'audiovisuel. Ce genre de profil-là, tout à fait anodin, mais avec un carnet d'adresses long jusqu'au bout de la salle, eh bien Netflix en a recruté en masse et très chèrement depuis 6 mois. Et il est en train de s'armer pour faire valoir ses intérêts par rapport notamment à l'audiovisuel des différents États membres de l'Union européenne. Voilà, c'était une mise en perspective, Daniel. Merci Alexandre pour cette introduction qui nous met dans le vif du sujet. Je vais m'adresser à Juliette Prissard et lui demander quelle situation actuelle pour la production du cinéma et de la télévision, enfin de l'audiovisuel en général, dans le cadre de cette crise du Covid-19. Et face à l'agressivité des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. Dans la foulée, une réflexion sur l'exception culturelle, je pense que serait à examiner parce qu'il est clair que de moins en moins nous parlons de l'exception culturelle et que ça nous fait un peu mal. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de m'inviter. Donc je représente des producteurs français ici et je suis une lobbyiste et je suis présente aujourd'hui, contente de vous parler. Déjà ce que je voudrais qu'on mette, enfin faire un petit point, 2 secondes sur la façon dont ça fonctionne avant de parler de ce que l'arrivée massive, effectivement extrêmement importante, et en ça je rejoins complètement mon voisin monsieur Sean, l'arrivée de Netflix a été renforcée par le Covid,
elle était déjà très 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 importante auparavant, et maintenant elle a un peu, on a un peu l'impression dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma que ça devient notre seul horizon. Et effectivement, il y a, il y a une forme un peu de grande catastrophe qui s'abat sur le secteur, puisque les financements sont alternatifs, deviennent de plus en plus compliqués à obtenir. Alors, très rapidement, juste un petit rappel sur la façon dont ça fonctionne en France et dans encore de très grands nombreux pays européens. Un film, il est financé de la façon suivante. Il y a une partie, en général, d'aide publique. Et donc, je vais me concentrer sur la France, puisque aujourd'hui, on parle du programme de LFI sur la France. Donc, il y a le Centre national du cinéma qui donne de l'argent. Et il y a les diffuseurs, qu'ils soient des distributeurs salles pour des films de cinéma ou les diffuseurs télévisuels, qui donnent de l'argent également. Cet argent, il est donné en amont. Il n'est pas donné en aval, c'est-à-dire pas lorsque le film est terminé, mais lorsque le film est en projet. Et donc chacun, que ce soit le public comme le privé, parie sur un projet artistique d'un auteur et sur une envie, sur une proposition artistique. Et j'insiste là-dessus parce qu'on n'est pas dans une logique de la demande, on est dans une logique de l'offre. Et là, c'est quand même on va dire, une des grandes qualités du système français et même du système, on va dire, de la production audiovisuelle européenne, et voire même mondiale à certains égards dans certains autres pays, c'est qu'on est vraiment dans une logique de l'offre, c'est-à-dire qu'on propose à des artistes de prendre un risque avec eux, et le producteur, qui est le producteur délégué, son rôle c'est quoi ? C'est d'accompagner l'auteur, de trouver des financements et d'arriver au bout avec ses financeurs jusqu'au bout et de dire bon ben voilà maintenant eh bien on va le proposer au public et on va essayer de le faire marcher, on espère que ça va plaire, on espère que ça va marcher, mais c'est un risque. Et cette logique là, même si ça vous paraît un peu, on va dire, peut-être quelque chose que vous savez déjà, en fait c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui, parce que c'est ça pourtant qui est justement vecteur de diversité. Je suis un auteur, on me donne la liberté de faire une offre, de proposer quelque chose. Cette possibilité-là, la prise de risque est importante, plus l'auteur propose quelque chose de risqué, plus les aides publiques interviennent. Le Centre national du cinéma, les aides régionales, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'aides régionales, viennent compenser les déficits, on va dire, du marché. Dans le sens, le marché pense que c'est trop risqué et n'en voudrait pas, donc le CNC intervient à des hauteurs plus ou moins importantes. En gros, c'est ça la logique. Il en va de même pour les distributeurs, qui sont aidés par les aides publiques également, les distributeurs salles. Il en va de même également pour les salles de cinéma. Les salles à réessai, c'est ça. C'est, j'ai des salles, je ne peux pas les remplir uniquement, je prends le risque de diffuser du cinéma d'auteur, pour ça je suis subventionnée, parce que sinon ben je ne mettrai que des blockbusters américains et je serai sûre de remplir ma salle. D'accord ? Donc c'est ça la logique de l'intervention publique. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi parler un peu des chiffres. Juste deux secondes. Aujourd'hui, en 2019, puisque bon, on a la grande catastrophe du Covid qui est arrivée dans le secteur aussi, mais jusqu'en 2019, il y avait un système avec, par exemple, un taux de fréquentation, comment dire, en France, extrêmement important, 213 millions d'entrées en 2019 en salle, une part de marché des films français en salle de 34%, en Allemagne, juste derrière, c'est 21% en Italie. On a un nombre d'écrans de 6000 écrans, quand même, 6000 écrans de salle. Bon. Et on a une concentration des distributeurs salles qui est relativement faible, c'est-à-dire que les 10 premiers distributeurs font quand même 70% du marché, alors qu'aux USA, ils font 92%. Donc, d'une certaine façon, la concentration est bien moindre en France que dans d'autres pays. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a bien sûr pas tout dit. Il faut également ajouter que les financements publics, et c'est pour ça que j'ai un objectif quand je vous raconte tout ça, les financements publics ne financent pas tout. Quand France Télévisions finance une œuvre, elle la finance à hauteur de grand maximum 70%. Mais quand je dis grand maximum, c'est quand c'est une production
maison. Voilà. Le volume de ce qui est produit par France Télévisions dans l'audiovisuel, c'est 400 millions d'euros annuels. 60 millions pour le cinéma. Arte, c'est 100 millions d'euros annuels, 20 millions pour le cinéma. D'accord ? Est-ce que vous savez combien il y a les diffuseurs audiovisuels dans leur ensemble en France financent ? 850 millions d'euros, juste pour l'audiovisuel. En gros, le service public aujourd'hui n'absorbe absolument pas toute la production audiovisuelle et cinématographique française. Aujourd'hui, pas du tout. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a et je dois ajouter à ça que le budget du CNC, qui finance le système justement sur ces aides publiques dont je vous ai parlé, c'est 670 millions d'euros par an. Bon. Alors, avant le Covid, qu'est-ce qu'on avait comme diffusion des œuvres ? On avait bien sûr les salles de cinéma, ça vous le savez déjà. On avait les diffuseurs traditionnels qui financent, soit dit en passant, énormément d'œuvres de fiction. Le service public comme le service privé, comme les chaînes privées, financent de nombreuses soirées de fiction française et de bien plus que de fiction américaine, parce qu'elles ont des obligations, parce que c'est encadré, parce que la loi les y oblige. Et c'est aussi ça le système français, c'est obligé à exposer des œuvres d'expression française et dans une quantité importante, et en plateforme de VOD. Plateforme de VOD, déjà en 2017, Netflix avait 60% du marché. Déjà. Et on n'a jamais réussi à imposer un modèle français qui concurrence Netflix. Maintenant arrive, avec le Covid, une double catastrophe. Netflix plus Amazon plus Disney qui est sorti pendant le confinement, on arrive à 90% du marché de la VOD par abonnement. Et là, avant, on disait, mais c'est pas très grave parce que les Français, ils aiment beaucoup aller au cinéma, et ils sont très attachés à leur chaîne de télé, et ça ira très bien, et vous inquiétez pas, et on a les moyens de résister. Sauf que là, une sorte de raz-de-marée dans les consommations, parce que tous les gens qui ne savaient pas comment faire pour s'abonner à Netflix, je peux vous dire que pendant le confinement, ils ont eu le temps d'y penser. Et qu'ils se sont abonnés à Netflix. Et que les chiffres ont explosé. Ça, plus, effectivement, le fait que les producteurs les producteurs se retrouvent aujourd'hui sans financeurs alternatifs. C'est-à-dire que Netflix produit des films, non seulement il les diffuse, mais il les produit. Mais les financeurs traditionnels, c'est-à-dire les chaînes de télévision, elles ont entre moins 20 et moins 30% de leurs recettes publicitaires pour les chaînes privées. Le système de redevances pour France Télévisions est en difficulté. Donc les chaînes de télévision sont en difficulté. Les distributeurs salles sont tous au bord de la faillite. Les salles de cinéma sont vides. Les coproducteurs internationaux sont en période de confinement ou de post-confinement subclaquant. Donc comment est-ce qu'on finance un film demain ? Après ça, eh bien, on va voir Netflix. C'est ça le problème. Et que donc du coup, aujourd'hui, le grand risque, ça n'est pas encore le cas complètement, mais le grand risque, c'est d'aller là où il y a l'argent. Et là, en France encore, on a quand même la chance d'avoir un système qui fonctionne pas mal. Mais si je vous parle de l'Espagne, si je vous parle de l'Italie, où là, l'alternative, elle est de moins en moins évidente. Voilà. Donc ça, c'est l'état des lieux. Merci beaucoup. Alors, pour continuer, moi, j'aimerais bien poser un ensemble de questions, en fait, à Mylène Lourdel et à Hugo, tout simplement. On a vu, en fait, quelque chose d'assez intéressant, c'est que les jeux vidéo, aujourd'hui, sont la première industrie culturelle mondiale. Elle est largement devant le cinéma. Très, 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 très largement. C'est un renversement de paradigme que l'on a observé au fur et à mesure du temps. Le jeu vidéo a copié certains codes du cinéma. Il s'est donné aussi des codes avec une originalité particulière. On est à plus de 150 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial, 4,8 milliards rien qu'au niveau français. Donc c'est un marché qui est absolument énorme. C'est un marché qu'on voit aussi comme innovant.
qu'on décrit avec un certain nombre de valeurs avant-gardistes. Et pourtant, nous nous retrouvons encore aujourd'hui confrontés à des problématiques liées au fait au manque de féminisation aussi d'un secteur numérique qui est largement sous-représenté par les femmes, tout simplement. Et on a vu au fur et à mesure du temps des cas, alors on reviendra sur les violences sociales un peu plus tard dans l'exposé, mais pour l'instant revenir sur l'aspect du sexisme. On a eu notamment encore il y a seulement 2 ou 3 jours, si vous tapez sexisme et jeux vidéo sur Google Actualité, vous tombez par exemple sur le compte Twitter de l'E3, hein, l'Electronic Entertainment, c'est-à-dire l'un des principaux salons de jeux vidéo au monde, qui a, il y a encore 3 jours, fait un tweet qui est caractérisé d'assez sexiste, puisqu'il mettait en scène des femmes dans des postures assez complexes. Alors qu'on est sur le principal salon de jeux vidéo à échelle mondiale. On a également une autre question qui est le fait, par exemple, d'avoir le studio de jeux vidéo Rocksteady qui a été récemment mêlé à des affaires aussi de sexisme, où il y a un certain nombre d'articles qui sont publiés dans différents médias de jeux vidéo. Alors, la question que j'ai envie de vous poser à vous deux, c'est finalement, il y a cette association Women in Games qui œuvre pour plus de diversité et contre le sexisme dans le secteur du jeu vidéo. Finalement, comment ce sexisme il est présent dans le modèle de production actuel des jeux vidéo et comment est-ce que finalement on arrive à lutter contre ces représentations extrêmement genrées et très violentes, très compétitives, très sexistes dans le milieu du jeu vidéo, même si, il faut quand même le rappeler, le jeu vidéo partage également aussi d'autres valeurs, beaucoup plus acceptables, beaucoup plus respectables, mais je parle vraiment d'un cas, vraiment de cas très spécifiques sur cette question-là. Bonjour à tous. Je vais commencer par rappeler quelques chiffres aussi, parce que peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc effectivement, le jeu vidéo, c'est plus d'argent en France que le cinéma et la musique réunis. Donc c'est très important. On se donne souvent une fausse image des joueurs. En France, c'est 70% des Français qui jouent occasionnellement, 50% régulièrement, un enfant sur deux et un adulte sur trois qui jouent tous les jours. La moyenne d'âge des joueurs, c'est 40 ans en France. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et parmi les joueurs, 18% sont des retraités. Le jeu vidéo, ce n'est pas pour les adolescents et les jeunes adultes. Ça touche vraiment toute la frange de la population. Et parmi ces joueurs, on a 48% de femmes. Donc la représentativité des femmes dans les joueurs et les joueuses est déjà très importante. Effectivement, nous, le problème qu'on adresse dans notre association, c'est la représentativité dans les studios. En France, on est à 15% de femmes dans les studios de production. C'est beaucoup mieux quand on va chez les éditeurs. Donc les éditeurs, c'est ceux qui vont s'occuper plus de la partie distribution des jeux vidéo et de la partie marketing. Là, on approche les 50%. Et le bon espoir, c'est que dans les écoles de jeux vidéo, on est à 25% de femmes. Donc plus de femmes dans les écoles que dans les studios. On peut espérer que ce chiffre s'améliore. Alors oui, on voit qu'il y a du sexisme hein, dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit dans les studios et dans la représentativité qu'on va voir des femmes dans les jeux. Pour moi, ce n'est pas un problème inhérent à notre industrie, c'est tout simplement un problème de la société qui, du coup, se reflète dans notre industrie. Donc vouloir changer la société, vouloir changer l'industrie du jeu vidéo sans changer notre société, c'est illusoire. Pour moi, c'est comme ça que se fera la transformation. Après, nous, on a plein d'axes d'amélioration. Par exemple, on travaille pour avoir plus de visibilité des femmes qui sont déjà présentes. On a eu notamment Muriel Tramis, qui a reçu une Légion d'honneur. On a eu Julie Chalmette, qui a été décorée comme Chevalier des Arts et des Lettres. Donc, mettre en avant plus de femmes du jeu vidéo, créer des rôles modèles pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent s'identifier, pour que tout simplement, on n'ait plus de cas où des petites filles veulent faire ce métier, mais se disent tout simplement que ce n'est pas pour elles, qu'elles ne se posent jamais la question. On va aussi, du coup, les informer. On travaille là-dessus. Et après, y a plein de choses à faire, notamment le financement. Comment se financent les jeux vidéo en France? Il y a effectivement des aides publiques, que ce soit régionales, le CNC, un crédit d'impôt aussi, puisqu'on en a un aussi en France. Et après, l'autre partie qu'on a, c'est des éditeurs.
et des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'ils vont soit investir dans votre studio, soit investir dans votre projet. Vous donnez de l'argent tout simplement en espérant que le jeu soit rentable et qu'ils récupèrent plus d'argent que ce qu'ils n'ont misé. Et là, on se retrouve face à un problème qu'on retrouve dès l'instant où il faut trouver un financement. C'est-à-dire que quand on se reconnaît dans la personne qu'on a en face de nous, quand on se reconnaît dans le projet qu'elle nous présente, on va avoir plus tendance à y croire. Donc si demain, en tant que femme, vous allez parler d'un projet où on joue une femme dans une situation particulière où la personne en face, qui est un homme, ne s'y reconnaît pas du tout, elle vous accordera beaucoup moins de financement. Donc les aides publiques sont importantes. Faire en sorte que ces aides publiques soient données, soient attribuées par un comité mixte et divers, parce qu'on parle effectivement de sexisme, mais un autre problème qu'on a dans le jeu vidéo, c'est la diversité et la mixité au sens large du terme, que ça soit d'origine sociale, toutes sortes de diversité dont on manque cruellement. Et voilà, donc déjà, avoir des fonds d'investissement et des aides qui laissent la parole à plus de personnes, ça c'est quelque chose d'important. Et après, ça en découlera. Alors oui, on a l'image des jeux vidéo violents parce que il y a eu beaucoup de jeux à gros budget qui sont des jeux de guerre ou des jeux violents. Après, ça change de plus en plus. Hein. Pendant le confinement, vous avez sans doute entendu parler de Animal Crossing, qui a fait des records de ventes grâce au confinement. C'est tout sauf un jeu violent. Donc il y a quand même des jeux à très gros budget qui se vendent extrêmement bien. Et après, plus vous êtes connaisseur, plus effectivement on va trouver des thèmes. Enfin, si je vous dis qu'il y a des jeux vidéo qui parlent de maladie mentale, de dépression, de qu'est-ce que c'est qu'un civil en temps de guerre, tout ça on peut le retrouver dans le jeu vidéo et des jeux qui sont vendus à plus de 4 millions d'exemplaires, donc même pas des jeux inconnus. C'est juste qu'il faut être connaisseur et on le montre assez peu auprès du grand public. Donc pour moi, en fait, pour changer notre société, pour changer notre industrie, pour essayer d'avoir moins de jeux vidéo sexistes et moins de studios sexistes, il faut tout simplement que notre société évolue. Gros chantier. Oui, pour apporter un peu mon point de vue et compléter ce que vient de dire Mylène. Clairement, moi je me suis investi sur le groupe d'études sur les jeux vidéo à l'Assemblée nationale, qui est un petit groupe d'études, il n'y a pas beaucoup de parlementaires dedans. Les groupes d'études, en fait, c'est sur la base du volontariat, les parlementaires se retrouvent par affinité, donc moi je suis aussi sur le groupe d'études sur la filière brassicole, et on comprend bien pourquoi, évidemment, pour ceux qui me connaissent. Et donc les jeux vidéo aussi, pour ceux qui me connaissent, on comprend bien pourquoi, parce que je suis avant tout, tout simplement, un joueur. Parmi des statistiques des joueurs, avant d'être élu, j'étais dans la statistique des joueurs très 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 réguliers. Depuis que je suis élu, c'est un peu plus compliqué. Depuis que je suis sur Twitch, j'arrive à joindre l'utile à l'agréable, donc je rejoue un peu plus qu'avant. Bon, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais parce qu'en fait, les politiques, les organisations politiques doivent s'intéresser à ce sujet. Parce que souvent, on dit qu'il y a des sujets nobles, y compris dans la culture. On va parler du cinéma, des arts, de la musique, des plasticiens, des auteurs de BD, etc. Mais le jeu vidéo, c'est comme si c'était vraiment une industrie au sens... c'est l'industrie, quoi, c'est pas la culture. Et c'est vrai que c'est une industrie culturelle, pour le coup, pour de vrai. Quand on voit les énormes productions qui brassent beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de millions d'euros, parfois même ça se chiffre encore au-delà. Mais les problématiques sont les mêmes. Mais le jeu vidéo, jusqu'à présent, a été plutôt... et oui, il y a du sexisme dans la société, donc ça se retrouve dans le jeu vidéo. Mais il y a une particularité, c'est que pendant longtemps, ça a été quand même plutôt le Far West. Plutôt pas trop d'encadrement, pas trop de contraintes, sur le mode de la start-up, de jeunes qui se lancent. Bon, voilà. Donc, le respect du code du travail dans le monde du jeu vidéo, par exemple, je pense que c'est une bataille d'actualité. Et le code du travail, pas juste sur les questions d'égalité femmes-hommes, bien sûr, c'est sur la question et l'actualité du jeu vidéo nous le montre, mais tout simplement sur les conditions de travail. Si vous vous intéressez un petit peu à la production du jeu vidéo, tout le monde a entendu parler, en y regardant un peu plus près, des périodes de crunch qui ont... Alors, il faut boucler le jeu vidéo, il faut aller super vite, et là, les horaires de travail, les 11 heures de repos consécutifs, tout ça, vous pouvez oublier. Et tout ça, ça s'inscrit dans une culture de cette industrie-là, qui est elle-même véhiculée par les organismes de formation, les écoles, qui sont quasi exclusivement des écoles privées, puisqu'il n'y a qu'une seule école publique dans ce pays pour travailler dans le monde du jeu vidéo. Alors même si...
qu'il y a des tas de gens qui sont recrutés par l'industrie du jeu vidéo qui n'ont rien à voir, qui ne sont jamais passés par des écoles de jeux vidéo, parce que maintenant, sur les grosses productions, on va chercher des historiens, on va chercher des anthropologues, enfin, en fonction de ce que vous voulez faire comme type de jeu vidéo, parce que comme il y a un scénario et un script, il faut faire un peu de recherche sur le sujet. Donc vous allez chercher des experts du sujet. Quand Ubisoft, par exemple, pour prendre ça, fait un Assassin's Creed, qui sont les jeux les plus connus aujourd'hui de chez Ubisoft, évidemment, comme il y a des aspects historiques qui sont assez poussés, il y a des tas d'historiens qui travaillent avec eux. Bon. Mais je reviens sur les écoles. Et effectivement, moi, ça m'avait frappé, j'étais allé visiter une école à côté de Valenciennes, de me rendre compte qu'effectivement, à l'école, il y avait que, je crois, quand j'y suis allé, la promo, ça devait être 13 ou 14% de femmes. Et ils étaient contents parce que la fois d'avant, c'était 10. Quoi. Donc, on est encore loin des 50%. Et en plus, on se dit, mais pourquoi c'est si masculin, en fait ? Ça repose pas sur quelque chose de si rationnel que ça, sauf à se dire qu'il faut faire des études plus scientifiques, que dans les études plus scientifiques, il y a plus de mecs que de nanas déjà à la base, et que du coup, ça se retrouve à la fin. Mais clairement, il y a une responsabilité du politique là-dedans, à s'intéresser au sujet, premièrement, et deux, à véhiculer aussi des propositions politiques, de dire, bah oui, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de formation publique dans le secteur du jeu vidéo, où on pourrait faire l'effort, bien plus directement que la sphère privée, d'atteindre des objectifs de parité, de mettre en avant des identités plus féministes, en tout cas de moins sexistes, dire dans ce sens-là, parce que demander à des instituts d'être féministes, ça va être parfois, à mon avis, sans doute plus compliqué, même si c'est public. Mais en tout cas, de faire ça. Et puis d'en parler, tout simplement. Vraiment, d'en parler. Il y a un truc. Alors, moi, quand je me suis lancé sur Twitch, il y a un député qui fait des jeux vidéo, mais vous vous rendez compte, ça fait pas sérieux, quoi. Sauf que c'est méconnaître, effectivement, les statistiques qui ont été rappelées par Mylène tout à l'heure, qui fait que je suis plutôt dans le camp de la majorité que dans le camp de la minorité, en l'occurrence, sur le sujet. Donc, ça va, je me sens plutôt à l'aise. Mais dès que vous êtes sur un plateau télé, les seules fois où on m'a parlé de jeux vidéo, bon, c'est aussi parce que je m'applique sur les thématiques de sécurité, c'est vrai, mais c'est pour dire, ah, il y a eu une tuerie de masse ou un adolescent qui a tué quelqu'un, regardez, il jouait aux jeux vidéo. Bon, vous l'avez déjà tous entendu, toutes et tous. Je vous rassure, heureusement que tous les joueuses et joueurs de jeux vidéo ne deviennent pas violents, parce que sinon on serait vraiment très embêtés, vu le nombre de joueurs qu'il y a dans ce pays. Et donc, derrière ça, il y a qu'est-ce qu'on aide et qu'est-ce qu'on finance, effectivement, par le CNC. Et on y reviendra sans doute après, je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est après, mais dans les propositions, mais en tout cas, juste vous dire que bon, le jeu vidéo, c'est pas la partie la plus financée par le CNC, évidemment. D'ailleurs, dans le CNC, il n'y a pas le mot jeu vidéo, et la plupart des gens ne savent pas qu'en fait, le CNC ne finance pas que le cinéma, mais finance aussi le jeu vidéo. Et par contre, dans les recettes, il n'y a pas de recettes en provenance du monde du jeu vidéo. Et c'est clair que c'est un monde, au-delà de l'évasion fiscale, de super profitabilité. C'est un monde où il y a deux mondes à l'intérieur, quoi. Il y a les petits indépendants qui essaient de se débrouiller par eux-mêmes, de faire un jeu vidéo et qui galèrent pour boucler le budget et qui le font des fois quasi à perte. Et puis il y a les super productions qui, elles, engrangent sans trop de difficultés. Et puis oui, effectivement, pour dire qu'il y a des tas de types de jeux, quand on dit jeu vidéo, ça va du Scrabble sur lequel vous allez jouer sur votre smartphone jusqu'à la super production de jeux de guerre, de Call of Duty ou je ne sais pas trop quoi, en passant par Animal Crossing qui reste... Je ne sais pas si on en parlera à un moment donné, mais une énigme. Je ne sais pas, c'est une énigme. Je ne comprends pas ce jeu, mais je vais essayer d'y jouer, hein, je vous promets, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, je ne comprends pas comment ça marche et pourquoi il y a autant de gens qui y jouent, mais parce qu'effectivement, c'est un jeu qui a... Si j'ai bien compris de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'au départ, Animal Crossing, c'était un peu un test de Nintendo, que ce n'était pas prévu pour que ce soit une super production, et puis le truc a vachement bien marché. Et j'en profite pour faire la publicité du Discord Insoumis, qui ont un stand, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je n'ai pas fait attention à ceci, voilà. Mais ils ont un stand là-bas et on a quand même, dans le Discord Insoumis, l'animateur de la plus grosse communauté française d'Animal Crossing. Et oui, sachez-le. Et ils ont pris des décisions collectives pour interdire la spéculation dans le jeu sur leur serveur. Et comme quoi, y compris dans le monde de jeux vidéo, il y a des batailles politiques, des gens qui s'organisent. Et en tout cas, ici, ça se passe dans le Discord Insoumis. Donc si vous êtes joueuse ou joueur occasionnel ou régulier, je vous invite à venir faire un tour sur le Discord. Vous trouverez d'autres Insoumis à la fois pour jouer, discuter politique et jeux vidéo. Mais du coup, ouais, moi, je veux bien savoir, Mylène, ton avis sur comment se fait-il que...
pourquoi il y a si peu de femmes, au fond, à la fois dans les écoles, dès ce moment-là, et ensuite dans l'industrie, on comprend bien que c'est la continuité. Mais... Alors pour moi, en fait, on souffre un peu d'une double peine. On est une industrie avec de l'art, où on manque de femmes, hein, dans le cinéma, dans la musique, il y a moins de femmes, donc ça se retrouve dans le jeu vidéo, et dans le numérique, où aussi, il y a moins de femmes. Donc on a un secteur qui allie deux spécialités dans lesquelles on a du mal à retrouver des femmes. Et on le voit, en fait, le jeu vidéo, à un moment, quand il a fallu le vendre, ben, on a décidé qu'il fallait s'adresser aux garçons. Un exemple auquel beaucoup d'entre vous, je pense, n'ont jamais pensé. On a une console qui s'est appelée la Game Boy. C'est quand même très clair à qui ça s'adresse. Et donc forcément, ben, quand on dit ça, c'est pour les jeux, ça, c'est pour les garçons, c'est les garçons qui jouent aux jeux vidéo, à quel moment une femme va avoir envie de dire « Ah ben moi, je vais faire les jeux vidéo ». Ben non, en fait, on s'adresse déjà même pas à nous en tant que consommatrices. C'est pas pour s'adresser à nous en tant que personne qui peut s'insérer dans l'industrie. Et on le retrouve, nous, on a encore des témoignages de jeunes filles qui, il n'y a pas si longtemps, se retrouvent avec des conseillers d'orientation qui leur disent « Quand même, la programmation... Dois-je rappeler que la programmation a quand même été inventée par des femmes à la base ?» Enfin, tout ça, c'est un pan de l'histoire qu'on a oublié. Le Wi-Fi, c'est une femme. Enfin, les femmes ont été présentes dès le début dans cette industrie, ont été peu à peu évincées quand elles ont commencé à prendre en ampleur et rapporter de l'argent. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Il y a de très bonnes conférences de chercheuses qui ont fait des recherches sur pourquoi, à quel moment les femmes sont parties de la programmation, de l'informatique. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Mais voilà, donc on souffre vraiment de cette double peine. Et effectivement, on manque aussi d'écoles publiques. Donc on a le GNA Menjmin, et on a aussi pas mal d'universités qui font des licences à côté, mais on manque d'écoles publiques. Donc là, si vous voulez faire des études de jeux vidéo, la plupart des options qui vont s'offrir à vous, c'est des écoles à entre 5 et 7 000 euros l'année pour 3 à 5 ans. Donc déjà, vous avez une grosse sélection à l'entrée. Quand en plus, on vous met le doute que peut-être ce n'est pas pour vous, parce que quand même, vous êtes une femme... C'est dur de parier sur cet avenir-là. Donc il y a et cette éducation, et dès le début proposée dans les écoles, hein, tout simplement, mais pas qu'aux femmes, une meilleure sensibilisation numérique. Là, nos écoles sont complètement en retard là-dessus. Donc déjà, si demain, dès 6, 8, 10 ans, on commence à parler de numérique aux enfants sans faire de distinction, les filles se sentiront beaucoup moins rejetées. Donc on a vraiment ces aspects à l'école, dans l'orientation derrière et la formation post-bac. Merci. Eh bien, la transition se fait tout naturellement, puisqu'on a commencé déjà à poser des réponses à ces situations-là, notamment en parlant de la formation, qui pourrait être effectivement, puisqu'il y a, comme le dit rappelé Hugo, une seule école de jeux vidéo, même si certaines écoles d'art ont des départements de formation. Mais enfin, bon, c'est un autre sujet, les écoles d'art étant dans des situations assez bancales financièrement, puisqu'ils dépendent des collectivités territoriales, sauf 4 écoles d'art. Le reste voilà, se trouve avec des budgets... qui se réduisent à peau de chagrin. Bref, donc il y aurait beaucoup à faire dans ce domaine de la formation. Puisqu'on est dans le volet des réponses qui pourraient être des réponses régaliennes à cette situation, à ce constat, disons, un peu noir que nous faisons. La France Insoumise, en 2017, proposait déjà un certain nombre de choses. Par exemple, face effectivement à ces plateformes Netflix et consorts, une médiathèque publique en ligne. Ça faisait partie du programme de l'Avenir en commun. Avec une plateforme d'offres légales, musique, films, contenu culturel. Nous proposions aussi un prix unique pour les supports musique, film et jeux vidéo, qui est aussi bon, le pendant du prix unique du livre, hein, qui permettrait effectivement d'endiguer un peu cette surenchère financière.
Eh bien, ma question, là, elle est tournée vers Juliette. Qu'est-ce qu'elle pense que pensez-vous, Juliette, de ce programme d'une médiathèque et d'un prix unique du livre, non pas du livre, mais du DVD, de la musique, etc., et pour vous, du cinéma, du film? Alors, peut-être que je vais commencer par la deuxième proposition, parce qu'en fait, pas pour l'écarter, mais pour dire que ce serait formidable, mais qu'en fait, d'ores et déjà, en tout cas en ce qui concerne l'audiovisuel, c'est un sujet qui est un chouïa dépassé, sauf faute de respect, comme dirait l'autre, dans le sens où, d'ores et déjà, les habitudes de consommation des plateformes VOD et par abonnement de façon massive. Et que donc, du coup, le paiement à l'acte par film tend à s'estomper, vraiment diminuer très très fortement. Donc du coup, alors à ce moment-là, il faudrait dire qu'il y aurait un prix unique de l'abonnement des plateformes VOD, avec un minimum revenant, et alors là on rentre dans le sujet de la licence légale, du coup, puisque ça voudrait dire que, admettons, je ne parle pas des plateformes américaines, mais je dis, mettons, Orange, la plateforme Orange de VOD, il y a un prix minimum, avec un montant qui revient aux ayants droit minimum. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait la répartition, puisque des sommes minimum, et la répartition, elle se ferait selon la consommation, ou elle se ferait selon une sorte de fonds, a posteriori, tel que c'est actuellement envisagé. Et là, je vais laisser monsieur. Je suis sûre que France Insoumise avait réfléchi à ce sujet, mais enfin on rentre dans un autre, dans autre chose. Quand le sujet du prix unique en film avait été en tout cas évoqué par un certain nombre de syndicats français, tout le monde avait en tête le prix à l'acte, le prix de l'achat du film à l'acte. Après peut-être que je me trompe et vous allez me dire le contraire, mais alors en ce qui concerne la plateforme VOD de services publics. C'est bien ça, hein, quand vous dites médiathèque, c'est ça, hein, donc c'est ça l'idée. Alors, d'abord, dire qu'elle est en gestation, puisque Arte y réfléchit, avec la RAI, de mémoire, avec, il me semble, la BBC, et avec ARD et ZDF en Allemagne. Bon, c'est en cours. Il y a également cette initiative qui n'est pas de service public, mais dans lequel le service public est inclus, qui s'appelle Salto, France Télévisions plus M6 plus TF1, deux plateformes également. Alors, moi, par rapport à cette alternative de service public, intuitivement, on trouve ça formidable et ça paraît la logique de trouver ça formidable. Bon. Moi, j'ai deux objections par rapport à ce sujet. C'est un, il ne faudrait pas que ce soit un prétexte politique pour considérer que c'est la bonne solution et que le reste, on s'en tape. Parce que ça n'absorbera pas le marché, qui est actuellement en grosse difficulté. Donc, de toute façon, actuellement, quand la France Télévisions plus Arte, comme je vous l'ai dit, c'est 400, 500, 580 millions d'euros d'investissement dans le secteur. Ce n'est pas du tout la totalité des sommes dont nous avons besoin. Donc de toute façon, voilà, il va y avoir un sujet de financement du reste, du volume d'œuvres et de la diversité telle qu'elle a été proposée jusqu'à présent. Après, il faudrait que ça reste effectivement un espace de liberté. Et est-ce que ça devient un guichet unique ou pas? Si c'est la seule alternative, on a aussi un problème, une question de pluralisme. La possibilité d'avoir d'autres types de financement permet d'avoir une diversité de sujets également. Et le dernier sujet aussi, c'est qu'une plateforme VOD européenne, ça veut dire qu'on va vouloir diffuser les films au niveau européen. C'est-à-dire que je suis un producteur, je vais voir la plateforme européenne de services publics, elle me dit je prends ton film et je le veux pour toute l'Europe, voire même pour le monde entier, a priori d'ailleurs. Bon. Et donc ça veut dire que le producteur sera contraint de donner le mandat de commercialisation du film sur l'ensemble du territoire. Et donc ça veut dire qu'au final, le prix qui va être proposé par la plateforme sera bien moindre, il faut en être conscient, que ce qui actuellement est obtenu par un producteur en le vendant territoire par territoire. Actuellement, comment ça se passe? Je suis un producteur. Je vais voir un agent de vente international et cet agent de vente international le vend en Angleterre tant, en Grèce tant, en machin tant. Ce qui permet
de rassembler le maximum de financement pour pouvoir produire le film. Alors ça, il y a peu de gens qui le savent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, c'est le béaba du commerce, si je vous vends le lot de 10 territoires d'un seul coup, ça me rapportera moins que si je vous le vends territoire par territoire. Bon. Or, un film, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Un film, ça coûte, audiovisuel ou cinéma, c'est au minimum 500 000 euros. Si on veut payer tout le monde, ce qui est quand même l'objectif. Donc c'est au minimum 500 000 euros. Et donc il faut trouver cet argent. Et donc la maximisation des financements, elle se fait par l'exclusivité territoriale, qui est accordée territoire par territoire. Et enfin, la dernière réserve que j'aurai, c'est que ça fera directement concurrence aux salles. Pourquoi est-ce que, c'est ce que je disais à Daniel quand on discutait, par exemple, on parle du livre et d'Amazon. Ça vous... Où je dirais, bon ben voilà, très bien, alors on va faire une plateforme de vente de livres publics, d'État, public, de livres, en ligne, parce que Amazon concurrence. Alors vous direz, ben alors, les librairies indépendantes, alors c'est pas sympa, parce que du coup ça leur fait un peu une concurrence directe, c'est pas. Du coup voilà. Et ben, je vous dirais, pour l'audiovisuel et le cinéma, particulièrement pour le cinéma, c'est également le cas. Aujourd'hui, si on n'a qu'un seul financeur, on a comment dire, une plateforme de service public, elle fera directement concurrence à un réseau de salles de cinéma publiques également, aidées par le public de RSC. Vous avez dit une minute ? Oui. Mais vous êtes dans les temps, tout va bien. Super. Ben, merci à vous. Pour enchaîner, il y avait aussi un élément très important, assez fondamental. Du coup, on a parlé tout à l'heure des conditions de travail salariales, notamment d'un point de vue de la féminisation du secteur. Mais effectivement, Hugo l'a évoqué tout à l'heure, il y a une question aussi. À la fois, on a beaucoup parlé de modalités de financement de tout ça, à travers notamment le CNC. La France Insoumise, dans son programme L'Avenir en Commun, et notamment dans les différents livrets thématiques, mettait en avant une proposition pour que le jeu vidéo puisse s'affranchir du CNC et créer son propre organisme de financement et de gestion qui s'appellerait donc le SNJV, c'est-à-dire le conseil ou la caisse. Le centre, pardon, voilà, c'est ça. Donc le Centre National du Jeu Vidéo, qui serait calqué sur le modèle du CNC pour financer le processus créatif vidéoludique. Alors derrière le processus créatif se cache aussi effectivement la question de la ventilation de ces aides et de ces subventions. Et de mettre en place notamment des critères socialement respectueux. On a pris un exemple tout à l'heure pour parler des conditions de travail des salariés du jeu vidéo. On a la pratique du crunch. Est-ce que parmi vous, levez la main ceux qui connaissent la pratique du crunch dans le monde du jeu vidéo ? D'accord, ouais, c'est bien, bravo, super. Alors, la pratique du crunch, très rapidement, c'est quoi ? C'est, je vous prends un exemple tout à fait concret. Vous avez un jeu vidéo à produire. Ce jeu vidéo, puisque vous avez des actionnaires derrière qui vous attendent dans des résultats trimestriels, parfois vous devez sortir un jeu qui n'est pas très bien abouti avant, mettons, Noël, pour qu'il puisse être vendu à Noël pour les fêtes. Eh bien, si le jeu n'est pas suffisamment abouti, il va falloir soit repousser la date, c'est pas possible à cause des actionnaires, soit vous allez devoir travailler plus longtemps, plus dur. Et donc vous pouvez faire des journées de 12 heures, parfois de 14 heures, etc. Vous pouvez dormir dans les bureaux et vous épuiser à la tâche pendant des sprints de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, jusqu'à plusieurs mois pour sortir le produit fini à la fin. Vous avez aussi toute la question du respect des conventions salariales. Vous avez dans le monde du jeu vidéo des métiers qui ne sont pas soumis de la même façon à la protection des droits. Prenons les programmeurs qui sont le cœur de compétence d'un studio. Pour eux, ce sera parfois, hein, pas tout le temps, mais à minima plus
facile de se défendre quand, de l'autre côté, les graphistes et les autres ingénieurs du son, par exemple, peuvent difficilement se prémunir contre des agressions d'une direction d'entreprise. De même, les salaires minimums conventionnels ne sont parfois pas respectés, notamment la convention collective Syntec, qui est la convention collective qui gère les salariés du jeu vidéo, avec le non-respect des grades, étam, ingénieur cadre, un usage aussi abusif des forfaits d'heures et de jours. Donc vous avez un certain nombre de violences comme ça en termes de rémunération, etc. Donc la question, ce serait de se poser, et donc là, sur ce coup-là, moi j'aurais tendance du coup naturellement à m'adresser à Mylène Lourdel et à Hugo Bernalicis, c'est comment, dans le cadre d'un Conseil national du jeu vidéo nouvellement inventé, comment est-ce qu'on reventile les différents critères sociaux d'attribution de ces fonds, et comment on fait en sorte que la législation que porte notamment le syndicat national des travailleurs du jeu vidéo, qui est une création très récente, parce que les syndicats du jeu vidéo habituellement défendent plutôt les patrons, que ce soit le SEL ou le syndicat national du jeu vidéo, donc le SNJV. Là, on a un syndicat qui protège les travailleurs du jeu vidéo, qui est tout à fait naissant et tout à fait jeune. Comment on fait, Hugo et Mylène, pour accompagner cette dynamique timide, mais qui existe, pour se prémunir contre ces violences sociales dans le monde du jeu vidéo? Juste pour en rajouter sur le crunch, une autre donnée, c'est que ça arrive très souvent que ces heures-là ne soient même pas payées, histoire de vous rendre compte. Et ça ne se passe pas que dans les gros studios avec des actionnaires. C'est tellement rentré dans la culture du jeu vidéo qu'il y a même des développeurs qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont leurs propres patrons, qui se l'imposent. On se retrouve avec des week-ends qui s'appellent les Game Jam, où en 48 heures, on va essayer de faire un prototype de jeu vidéo avec des gens qui ne dorment pas. Il faut comprendre que c'est vraiment rentré dans la culture du jeu vidéo et qu'on voit ça dans les écoles. Et pour moi, c'est aussi un autre problème de l'industrie, c'est qu'on est une industrie passion. Donc beaucoup de personnes vont profiter de cette passion pour dire bah, « Écoute, si tu ne veux plus travailler ici, il y a 10 personnes qui attendent ta place », ce qui est vrai. Et on est une industrie où il y a quand même beaucoup de gens qui vont la quitter après quelques années, notamment pour avoir des meilleurs salaires. Un programmeur, par exemple, aura forcément un meilleur salaire s'il va travailler dans une banque. Donc ça, il faut bien avoir tout ça en tête. Comment faire? Alors, moi déjà, alors, l'association, sur tout ce qui est... tous ces problèmes de salariés, bien sûr, on milite pour la protection des salariés, que ce soit pas de crunch, faire en sorte que les conventions soient respectées, que tout le monde se sente bien au travail. Pour le CNJV, c'est compliqué parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est quand même un écosystème très... très dur en fait. Enfin, il y a des grosses boîtes qui ont plein d'argent et derrière on a des studios qui, dès qu'ils arrivent à faire un jeu qui est rentable, c'est déjà une grosse victoire. Il y a beaucoup de jeux qui n'arrivent même pas à faire de production qui rapportent autant que ce qu'elles ont coûté. Ce qui veut dire que sans diverses aides, sans des investissements personnels, elles n'existeraient plus. Donc dès l'instant où on met un petit doigt dans cet engrenage, on risque de déstabiliser beaucoup de choses. Donc c'est ça qui est compliqué et nous du coup au niveau association, on ne se positionnerait pas là-dessus. Moi, personnellement, l'avantage que je vois aussi d'un CNJV, ce serait cette fameuse reconnaissance, on en parlait, le jeu vidéo. Beaucoup de personnes vont considérer ça comme une sous-culture, comme quelque chose qui n'est pas noble, et que si quelqu'un passe 8 heures par jour au jeu vidéo, c'est problématique. Quelqu'un qui va passer 8 heures par jour à faire du sport ou à lire, et dès l'instant où il est en manque, quand il ne l'a plus, parce que le manque au sport existe aussi, on ne considère pas cela comme un problème. Donc pour moi, ça permettrait un peu de redonner ses lettres de noblesse au jeu vidéo qu'il mérite, et de mettre en avant ces productions dont le grand public n'entend pas parler et qui ont un sens et qui font passer des messages parfois très beaux, parfois très tristes, mais nécessaires. Donc il y aurait cet avantage-là. Après, comment faire? On est aussi, je suis plus partante pour légiférer, c'est bien. Le problème, c'est qu'on le voit, hein, c'est déjà le cas, l'égalité salariale homme-femme, c'est dans la loi, ça ne change pas grand-chose. Moi, je parle vraiment du principe que la formation... c'est ce qu'on a besoin, obliger les entreprises à faire des formations à leurs managers, à leur département ressources humaines. Toutes ces choses-là, c'est en formant les gens qu'au bout d'un moment, ça va changer, pour moi, plus qu'en légiférant. Ce serait vraiment cette position-là que je défendrais. Oui, il est vrai que ça ne sert à rien de légiférer pour l'égalité salariale, puisqu'effectivement, elle est déjà dans la loi. Par contre, en termes de politique publique, tous les questionnements qu'on a, mais pas juste sur le secteur du jeu vidéo, c'est dans l'intégralité du secteur du travail, c'est d'avoir suffisamment d'inspecteurs du travail
pour pouvoir contrôler les entreprises qui ne respectent pas la loi, puisque c'est comme ça qu'on l'a fait respecter en théorie, et que si possible, si on pouvait éviter que quand un inspecteur du travail fait son travail, on le mette à pied, ce serait encore plus génial dans ce pays. On a vraiment fait baisser drastiquement le nombre d'inspecteurs du travail sur les 10 dernières années, donc c'est pas juste un mythe quand je dis ça, ou juste pour se faire plaisir, puisqu'on a renvoyé vers une culture d'autocontrôle les entreprises. Les libéraux, ils ont établi de la norme et de la règle. Au bout d'un moment, ils ne peuvent pas se dire, ouais, l'égalité salariale, ils sont obligés de se dire qu'il faut la mettre dans la loi. Par contre, sur comment on fait pour la mettre en œuvre, on va renvoyer vers l'entreprise. C'était tout ce qu'avait développé Marlène Schiappa en disant, je vais faire un logiciel pour les entreprises qu'elles pourront installer pour voir les écarts de salaire dans leur entreprise. Comme ça, d'elles-mêmes, elles vont pouvoir se rendre compte qu'elles ne payent pas pareil les femmes et les hommes. C'est génial, hein ? Voilà. Bon, donc vous avez compris le truc, je vous vois sourire. Donc il y a des choses toutes bêtes à faire de manière régalienne de contrôle et d'inspection qui s'appliquerait évidemment au secteur du jeu vidéo. Moi, ce que je vois l'intérêt de créer un centre national du jeu vidéo, c'est d'abord, on l'a dit tout à l'heure, sur une question de recettes. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo hyper profitable pour les grosses structures, mais pour le secteur du jeu vidéo globalement, c'est des taux de profit qui sont pour les actionnaires. On peut faire du 10, 15, du 20% sur son investissement quand le jeu a fonctionné, même voire plus. Donc tout cet argent-là, s'il était un peu taxé, ne serait-ce qu'un peu, ça pourrait déjà servir à financer énormément de petites productions ou de gens qui se lancent de manière indépendante et qui galèrent pour trouver des mécènes, pour trouver le banquier ou qui font de plus en plus des financements participatifs pour lancer le projet, etc. Bon. Donc ça, ce serait un apport particulier. Ça nous permettrait aussi de mettre en avant des jeux vidéo qui, effectivement, ne verraient pas le jour dans l'écosystème actuel du jeu vidéo qui valorise les jeux, les superproductions plutôt, alors je ne vais pas dire violentes, parce que les jeux de guerre, c'est une partie, parce qu'il y a des superproductions non violentes. Sur Mario Kart, c'est plutôt tranquille, quoi. Je veux dire, voilà. Et pourtant, quoi. Ouais, on met des pots de bananes. La carapace bleue, c'est toujours très violent. Ouais, c'est vrai. Bon, OK, il y a la carapace bleue. C'est vrai, mais globalement ça va, c'est plutôt tranquille comme jeu et ça fait partie des jeux les plus rentables au monde. Et Animal Crossing, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est vraiment de se dire qu'il y a tout un tas de petits jeux qui ne voient pas le jour, plutôt militants et pas militants forcément au sens où nous on l'entend, mais militants, enfin pas militants France Insoumise, quoi, mais militants dans la vie pour faire avancer des idées, des perceptions, des points de vue. Tu parlais, Mienne, tout à l'heure des jeux sur la question de la santé mentale, par exemple, ce genre de choses. Il y a, je regardais parce que je l'avais installé sur mon téléphone, mais il y a le jeu Enterre-moi mon amour, si vous avez entendu parler par exemple, qui a très 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 bien fonctionné, et le script est quand même pas, comme ça de prime abord, vous vous dites pas, ah ouais, ça va marcher comme jeu, puisque c'est l'histoire d'une femme qui va migrer, qui va essayer de partir de son pays pour aller en Europe, et donc vous suivez toutes les galères dans lesquelles elle tombe pour choper l'avion, les passeurs, les machins, et les policiers, enfin voilà. Bon. Donc le script, comme ça, on ne se dit pas, tiens, je vais passer un bon moment, ça va être plaisant. Et finalement, ce jeu a vraiment très très bien, très très bien marché, et il permet de faire en sorte que des tas de gens qui ne sont pas migrants, qui n'ont pas, qui n'approchent la problématique qu'en regardant TF1 ou les chaînes d'info en continu, et ben une autre expérience, une expérience sensible sur une thématique comme celle-là. Et je pense que on pourrait davantage aider ce genre de petites productions. Alors à savoir, après, reste un grand débat, où est-ce qu'on prend l'argent? C'est toujours pareil, est-ce qu'on taxe les consoles ou les PC, ou est-ce qu'on taxe les manettes, ou est-ce qu'on taxe directement les profits du secteur du jeu vidéo sur chaque jeu ou à l'achat d'un jeu? Il y a plusieurs pistes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une manne financière qui est énorme. Je crois qu'en France, on est autour de 5 milliards sur l'industrie du... pas loin de 5 milliards sur l'industrie du jeu vidéo. Si on en prenait ne serait-ce que 100 ou 150 millions, c'est des tas de petits producteurs indépendants qui pourraient se lancer, et même moins indépendants, peu importe, il pourrait y avoir des super productions qui soient faites sur des thématiques dont on n'a pas idée, quoi. Et donc ça me semble être, pour ça, ça pourrait être un outil très, très utile. Et puis sur la formation, on l'a dit tout à l'heure, développer le secteur public de formation en la matière, de la programmation, du graphisme. Ça me semble, et j'oublie le troisième métier qui est pour
le game designer. J'avais pas réussi à le dire en français, c'est pas grave. Donc du coup, de tous ces métiers-là, qui sont en plus des métiers qui sont, comme ça a été dit, beaucoup plus valorisés en dehors du secteur du jeu vidéo, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il vaut mieux être développeur effectivement en banque que dans l'industrie du jeu vidéo. Et moi, je l'ai vu, et je termine là-dessus, quand je suis allé visiter l'école à côté de Valenciennes, les gens étaient là. En fait, ils m'expliquaient que l'école, il l'a fermée à minuit. Ils avaient mis des règles parce qu'il l'a fermée entre minuit et 5 heures du matin. Parce que sinon, il y en avait qui restaient là tout le temps, quoi. Qui étaient là dans l'école toute la nuit et qui se retrouvaient le lendemain matin en cours. Et déjà, dès l'école de formation, ça vous donnait une ambiance de la culture en disant, bah, franchement, commence à faire des heures tout de suite, tu vois, ça va être dans les années qui arrivent, tu vas faire que ça, quoi. Donc, ils se sont dit que c'était peut-être pas les bons messages à véhiculer, et voilà. Mais même ça, ils ont eu du mal à le faire appliquer aux élèves. Donc, c'est compliqué aussi parce qu'on a affaire effectivement à des passionnés. Tu parlais des productions qui ne verraient pas le jour si on ne les finance pas. Et en fait, ce qui est très surprenant dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a des thématiques très sérieuses, notamment des thématiques politiques, genre un jeu qui a marqué une génération de joueurs indépendants, donc pas grand public. C'est un jeu dans lequel on incarne un douanier dans un pays autoritaire, et on doit valider ou non les passeports. C'est notre tout le jeu, c'est ça, valider ou non l'entrée dans le pays, avec chaque jour des règles qui arrivent et qu'on doit ou non faire respecter, avoir des vrais choix moraux. Genre une femme qui arrive, son passeport n'est pas valable par rapport aux règles qu'on a, mais elle nous dit, bah, en fait, mon mari va me tuer, donc si vous ne m'autorisez pas à rentrer, je ne suis plus là. Et on doit faire le choix ou non de la laisser rentrer. Et ces jeux-là rapportent de l'argent et marchent, fonctionnent. Merci, merci beaucoup. On va conclure en deux temps avec Daniel. Moi, juste pour clôturer, un élément aussi réflexif qu'on n'aura pas le temps de débattre, mais qu'on peut amener en réflexion, c'est aussi toute la question de est-ce qu'on peut estimer que finalement la culture est une sorte de commun, un peu comme l'eau, comme l'air qu'on respire, comme le droit à la connaissance, aux informations, à la libre circulation de tout ça. Et donc, se joue aussi, par exemple, sur la question vidéoludique, mais aussi sur la question des supports physiques, DVD, Blu-ray, etc. La question aussi de la revente, par exemple sur le jeu vidéo, de la revente en ligne des jeux vidéo. Est-ce que des jeux vidéo qu'on achète sur des magasins en ligne, pour l'instant, vous savez qu'on ne peut pas les revendre. C'est un élément sur lequel, notamment, le ministère de la Culture, au moment de François Hollande, avec Fleur Pellerin, s'est dit très, très réticent à faire perdurer le système du marché d'occasion, parce que ça ne rémunère pas les ayants droit, etc. Mais en même temps, il y a l'idée que le jeu vidéo, si on l'achète en support physique d'occasion, après, il y a toute la question des DRM, des season pass, etc., qu'on achète sur Internet, donc ça crée de l'activité. Mais de ne pas avoir à acheter un jeu vidéo tout le temps neuf, ça permet aussi à certaines catégories de la population d'avoir accès à ce média, d'avoir accès à ce pan de la culture. Donc il y a une vraie question et une vraie réflexion à mener sur tout ça, et notamment sur la multiplication des plateformes en ligne, et donc peut-être le droit de revente de ces éléments une fois qu'on les a acquis. Daniel, pour conclure, et juste pour terminer avant que je lâche définitivement la parole, un grand merci à l'équipe du livret numérique qui a préparé du livret numérique depuis 3 jours là, à l'équipe du livret culture. Ils sont un petit peu cachés, mais vous avez Martin là-bas qui est co-animateur du livret, vous avez Victoire ici, vous en avez plein qui sont disséminés partout, qui font du travail absolument exceptionnel, donc merci à eux et merci à toi Daniel. Bien, merci aux intervenants et de nous avoir éclairés sur certains points. Il nous reste évidemment beaucoup de travail encore pour travailler, pour proposer un programme concernant le sujet qui nous réunit aujourd'hui. J'ai bien noté que Juliette avait quelques réticences par rapport à notre projet de médiathèque en ligne. Néanmoins, bon, le sujet reste toujours pour nous d'actualité. Pour poser un petit peu la contradiction à Juliette, il me semble que ce n'est pas parce qu'il y a des bibliothèques que les librairies sont en danger. Bien au contraire.
Et donc, je pense qu'effectivement, on pourrait envisager une plateforme en ligne. Il faut réfléchir à la manière dont on la ferait, cette plateforme publique. Mais je ne pense pas qu'on pourrait faire de la concurrence réellement à la création, bien au contraire. Alors, en fait, je merci en tout cas beaucoup de m'avoir laissé la possibilité de m'exprimer. Je sais que ce que je dis, en fait, est un peu contre-intuitif et pas forcément, en tout cas, ce qu'on aimerait entendre, mais simplement pour dire, en ce qui concerne le numérique, il y a toujours deux logiques qui s'affrontent, hein, qui est la logique du commun, justement, de la liberté d'expression, et puis, comment est-ce qu'on garde un secteur qui rémunère les auteurs et les techniciens et le secteur. Voilà. Donc comment est-ce qu'on garde de la valeur qui permette aux gens en fait, de vivre. Bon. Ces deux logiques-là ont tendance à s'affronter, en tout cas à être pas forcément toujours compatibles, et il faut toujours trouver des chemins de crête. C'est ça ma réponse. Oui. Il faut toujours trouver des chemins de crête qui permettent de concilier ces deux logiques qui sont toutes les deux pas seulement louables, mais essentielles. Voilà. Merci. Il reste 20 minutes, le temps de prendre quelques questions. Daniel ? Oui, on va prendre des questions. Sachant que, s'il vous plaît, comme il n'y a que 20 minutes et que les délais sont assez serrés, s'il vous plaît, essayez d'être vraiment extrêmement synthétique pour poser vos questions. Comme ça, on peut en prendre le maximum et on essaye de frustrer le moins de personnes possible. Est-ce qu'on fait une série, peut-être ? Oui, ça peut être une série et après on... Et comme Daniel le sent, on arrête, on répond et puis voilà. Bonjour, déjà merci pour ces interventions et cette conférence qui était de qualité sur autant de sujets difficiles et différents. Moi je voulais revenir juste un petit peu sur quelque chose qu'Alexandre t'as cité, enfin t'as touché du doigt, qui est un peu parallèle peut-être à la conférence d'aujourd'hui, mais que je trouve assez important et dont on n'a pas parlé vraiment ici, quand tu parlais de la question des jeux d'occasion et de l'accès à la culture. C'est quelque chose qui est intéressant du point de vue du jeu vidéo, moi je trouve. Moi je suis quelqu'un qui joue beaucoup et qui en même temps travaille sur des quartiers populaires où je suis en contact avec des médiateurs culturels assez régulièrement. Dans ces quartiers-là, on travaille sur la médiation culturelle pour le cinéma, pour la littérature, pour les différents arts qui peuvent exister, les arts nobles, comme on dit, par rapport aux jeux vidéo, qui restent encore une pratique qui n'est peut-être pas considérée comme telle aujourd'hui. Et c'est une vraie question, je trouve, qu'on ne pose pas souvent, la question de la médiation culturelle vis-à-vis du jeu vidéo et du monde vidéoludique. Parce que moi, aujourd'hui, concrètement, sur mon territoire, par exemple, sur lequel je travaille, on a une médiathèque qui a une certaine richesse d'œuvres, etc., qui sont mises à disposition des jeunes, par exemple, et des habitants du territoire. Et en parallèle de ça, on doit avoir une PS4 dans une maison de quartier avec un FIFA et un Call of Duty, et c'est tout. Et on ne se pose jamais la question de comment est-ce qu'on engage cette médiation culturelle, de la richesse de ce qui existe dans le jeu vidéo. On a cité un certain nombre de jeux vidéo très intéressants qui existent sur le média indépendant. Il y a aussi une histoire du jeu vidéo. En France, on a des Français qui ont produit des jeux vidéo, qui ont impacté l'industrie pendant 30 ans, qui sont des œuvres artistiques immenses, et personne ne les connaît, et on ne fait jamais ce travail de médiation. Et donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu à ce niveau-là, y compris si on veut favoriser une industrie alternative, etc., de médiation culturelle autour de ce média. Voilà. Comme on parlait de parité dans le secteur du jeu vidéo, je propose qu'une femme prenne la parole. Et pour des questions de consigne de sécurité, je vais devoir garder le micro en main, pour pas qu'il passe trop de main en main. Moi, je suis venue dans une table ronde qui s'appelle « Quel service public de la culture ?». Vous avez une approche de la culture qui est limitative au cinéma et audiovisuel. J'y travaille, mais quand même, j'attends autre chose de la culture. Je n'ai absolument pas entendu parler des enjeux de la création, du sens de la culture au terme de l'émancipation. Qu'en faites-vous ? Et quand vous parlez de service public, vous n'avez parlé que de commerce et d'industrie. Quels sont les enjeux ? Et je pense que si vous voulez construire un projet culturel, il y a du travail. Bonjour. Ouais, bonjour. J'avais juste une question. Tout à l'heure, on parlait d'autorisation de droits de films, par exemple, qu'il fallait que ce soit territorial, donc les films autorisés en France, etc., pour éviter que les droits d'un film, vu qu'ils sont très très chers, soient diffusé à tout le monde à partir du moment où il serait sur la médiathèque et que du coup ce serait diffusé soit à toute l'Europe soit au monde entier. Je voulais savoir, et après je suis pas du tout un connaisseur donc c'est plutôt une question, comment Netflix fait du coup pour empêcher que nous Français par exemple on puisse voir les films sur le Netflix américain et si c'était pas possible de le mettre en place.
dernière peut-être. Oui. Merci. Tout d'abord, merci Mylène pour votre intervention et pour les fondements idéologiques qu'il y a derrière votre parole, c'est très important. Moi, je me pose la question, dans le cadre d'une une école publique du jeu vidéo, comme en a parlé Hugo, outre l'objectif politique, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de mettre en place des formations antisexistes pour mieux traiter ses collègues? Parce que je suppose que s'il y en a 25% de femmes en école, mais 15% en studio, c'est qu'il y a bien des problèmes dans l'école peut-être. Mais aussi dépasser les biais dans le jeu vidéo. Je pense à cette vidéo où Batman était codé comme une femme. Et voilà, je pense que tu l'as vu. Donc voilà. Première série de réponses, on reprendra juste après. Non, je vais d'abord répondre à la dame qui reproche d'avoir que nous ayons parlé des industries culturelles. Pardon ? Non, mais vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est un. Il y avait hier une autre conférence qui traitait de ce sujet. Et justement, nous parlons très peu souvent des industries culturelles. Et d'autant que c'est quand même ce qui touche le plus de personnes. Et il nous semblait qu'à la France insoumise, nous avions en parlé. Mais bien sûr, vous avez raison, l'émancipation. Mais il faudrait... Bon, le livret culture fait état de tout cela. Nous sommes convaincus, évidemment, que les arts et la culture sont au service de l'émancipation individuelle et collective. Voilà, et nous traitons de tous les autres arts voilà, très régulièrement. Et c'était le cas hier, à 14h30, plage... Il y a cette question-là, et puis effectivement, voilà, c'est comme le format de temps étant limité et qu'il y a eu une autre conférence sur le sujet, on a fait un choix qui bien sûr est critiquable, qui est arbitraire d'une certaine manière, mais on a fait ce choix-là, et notamment, comme on disait avec Hugo, c'est aussi parce que c'est l'un des principaux canaux de distribution de la culture actuellement, ce côté industriel, on peut le regretter, mais... C'est effectivement un élément important. Et puis surtout, c'est aussi les acteurs qui gagnent le plus de pognon. Et on adore le pognon, donc on aimerait avoir voir un petit peu comment on gère tout ça, quoi. Alors, en fait, je voulais juste dire que moi, j'ai répondu à la question de qu'est-ce qu'on pense d'une plateforme européenne de vidéos à la demande. D'accord ? Après, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est le rapport au public, premièrement, et effectivement, la possibilité de demeurer dans une logique d'offre. C'est-à-dire de dire... Je suis un artiste et je vous fais une proposition artistique qui peut-être ne rencontrera pas son public. Et on va dire la collectivité des contribuables qui participent au financement de ce secteur sont prêts à assumer cet échec potentiel. Ça, aujourd'hui, c'est clairement menacé. Et vous, si vous avez un cinéma, vous le savez fort bien, lorsque il y avait des films, vous savez que vous allez remplir votre salle, il y a des jours, ou probablement pas, parce que vous décidez de prendre un risque sur tel ou tel film. Bon. Donc après, je pense qu'il y aurait même, pour dire la vérité, toute une conférence à faire, un débat à faire sur ce sujet précisément. Hein. Moi, du coup, je vais me permettre de répondre aux deux questions concernant le jeu vidéo. Pour la première question, effectivement, il y a un problème sur l'accès aux jeux vidéo en tant que produit culturel, dans le sens où on pourrait l'utiliser à l'école. Quand vous allez parler à des adolescents de guerre, d'immigration, d'enjeux géopolitiques, bah avec un jeu vidéo, je suis sûre que ça les intéresserait beaucoup plus. Et on en a qui traitent de ça. Donc déjà, dès ce moment-là, on devrait commencer à intégrer les jeux vidéo pour leur montrer qu'il existe autre chose. On parlait de jeux indépendants, j'ai parlé de jeux indépendants puisque c'est mon travail et c'est dans ce domaine-là que j'évolue depuis pas mal d'années maintenant. Mais ça ne s'adresse qu'aux connaisseurs.
Déjà, ça s'achète sur Internet. Il n'y a aucune visibilité dans les magasins, ou très peu, que les jeux à grand succès. Donc on a toujours... Mais comme l'art, en fait, en général, si, dès que vous allez sur des courants beaucoup plus niches, ben vous ne vous adressez pas au grand public. Et on a un gros problème dans nos médiathèques. Clairement, il faudrait plus de jeux vidéo dans les médiathèques, plus d'événements autour de ça, plus de rencontres avec des créateurs, plus d'ateliers pour apprendre à faire son jeu vidéo, à apprendre à s'exprimer à travers ce médium-là qui nous manque. Donc oui, il y a clairement quelque chose à faire là-dessus. Et concernant l'école, en plus, je voudrais souligner l'école publique qu'on a, qui est le CNAM Njmin, est d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que tous les étudiants qui sortent de cette école-là se font tout de suite embaucher par des gros studios ou montent parfois les leurs et font des succès. Donc on a une école publique d'une qualité phénoménale et effectivement, non, on n'en a qu'une. Enfin, une vraiment dédiée à ce jeu vidéo-là. Et oui, nous, chez Women in Games, on a une liste d'intervenantes, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui sont là pour justement, quand des écoles ou des événements veulent avoir une meilleure parité parmi les intervenants, puissent venir nous contacter. Nous, on pense aussi que ça passe là-dessus. Si en école de jeux vidéo, vous avez 50% de professeurs qui sont des femmes, 50% qui sont des hommes, dans les jurys, dans tout ça, donc on milite beaucoup pour qu'il y ait une meilleure représentativité au niveau des professionnels dans les écoles, pour que les femmes de ces écoles-là ne soient pas seules et ne quittent pas après l'école. Et on est aussi pour que toutes les grosses entreprises et les plus petites, à leur échelle, mettent en place notamment des formations bien conscients pour éviter toutes ces problématiques de genre qu'on a sans s'en rendre compte. C'est pareil, si c'est des choses qui vous intéressent, regardez la vidéo où on demande à des enfants de dessiner, c'est en français donc c'est un biais, mais une vidéo en anglais où du coup ils n'ont pas de genre pour les métiers. On va leur demander de dessiner un pompier, de leur demander de dessiner un pilote d'avion, et à chaque fois ce sont des hommes qui ressortent. On a vraiment un problème de biais inconscient dans notre société, et c'est en formant les gens à se rendre compte et à s'éduquer et à combattre volontairement, parce que si on ne fait rien, ça ne changera pas. Donc nous, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour éviter tout ça, encore une fois, via la formation qui nous semble être le plus important. J'espère que j'ai répondu aux des questions. Juste pour répondre du coup sur la question, sur la question de l'accès à ces médias, notamment en milieu et quartier populaire. Juste très rapidement, sur la question de la revente, je ne vais pas faire mon point juriste à deux balles, mais pour vous rappeler que en septembre 2019, donc le 17 septembre 2019, il y a une décision de justice du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire UFC Que Choisir contre Valve. Valve, qui est l'entreprise qui possède Steam. Steam a perdu, notamment sur une condition contractuelle qui est l'annulation de la clause 1.C qui interdit la vente de comptes sur Steam. Or, ils ont jugé au TGI que cette clause contractuelle n'était pas adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en possibilité de vendre son compte Steam ? C'est en possibilité de vendre des jeux vidéo en format dématérialisé. Donc il va y avoir encore 3-4 ans de bataille judiciaire parce que Valve a décidé de faire appel. Mais si jamais en deuxième round, Valve perd encore, ça veut dire que pour toutes les plateformes, les magasins en ligne, que ce soit d'Ubisoft, le Nintendo Store, tout ce qui est GOG.com, Steam, etc., ça va être une évolution, une révolution paradigmatique dans leur modèle économique qu'il va falloir retravailler. Ça, c'est sur le point, sur le truc. Et le dernier point sur la culture populaire, il y a quand même des game jams, notamment... dans la petite couronne parisienne, des initiatives qui sont pas pérennes parce que pas suffisamment accompagnées par les collectivités territoriales et l'État, où justement en général c'est des manifestations avec beaucoup de succès où les gamins viennent pour s'initier à la technique de création du jeu vidéo avec, ils peuvent durer pendant 6, 10, 12 heures et encore plus parfois, et donc ça leur donne envie soit de découvrir des éléments alternatifs à la création de jeux vidéo autour du monde de l'informatique, mais en tout cas c'est un appel d'air qu'il faut encourager. Et il manque une thématique sur l'éducation populaire en quartier populaire, sur la question du prisme numérique et du prisme vidéoludique qu'il faut accompagner et qu'il faut travailler. J'ajusterai juste un point sur la revente. Si la revente des jeux dématérialisés est actée, je pense que ce sera un gros risque pour toute la création indépendante. Vraiment. Après, il va falloir trouver des modèles alternatifs pour que l'édition soit rétribuée dans le cadre de cette revente aussi. C'est vraiment une piste à exploiter. Non, mais il faut vraiment être... voilà. Ce qu'on oublie souvent, je vais juste très très rapidement, mais c'est que les décisions qui sont prises dans le monde physique
matérielles peuvent être aussi prises dans le monde immatériel et on peut même les contrôler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est distribué sur une plateforme comme Steam ou revendu par le biais de la plateforme Steam, il peut y avoir un fléchage de la revente à l'éditeur. Enfin, tout, c'est-à-dire un algorithme, par principe, il va faire ce qu'on lui demande de faire, quoi. Donc, on peut tout à fait envisager qui est ça. Alors, c'est sûr que ce n'est pas l'état d'esprit de ces plateformes-là qui sont complètement libéralisées et en dehors de toute réglementation. La seule réglementation qui s'applique, finalement, c'est la TVA, quoi. Enfin, et encore. Voilà, j'espère qu'ils ne fraudent pas trop. Mais on a techniquement, nous aussi, en tant qu'État, en théorie, les moyens de contrôler les plateformes et comment elles peuvent flécher, redistribuer les choses. C'est juste que dans une économie de marché libérale, c'est sûr que ce n'est pas trop la norme, quoi. Et ça ferait bizarre de le faire. Et oui, on se fâcherait avec quelques traités européens si on devait le faire. Et je pense qu'il faudra se fâcher à ce moment-là, parce qu'on voit bien que dans le domaine culturel, l'exception française, ce qu'on appelle l'exception culturelle française, c'est juste une entorse majeure à la concurrence libre et non faussée pour pouvoir faire ces mécanismes de redistribution pour favoriser la création. Et je vous ai trouvé un peu dur tout à l'heure sur la question de la création. Alors moi, je n'ai pas parlé du cinéma parce que ce n'est pas mon domaine du tout, mais sur le jeu vidéo, précisément, l'objectif en créant un conseil national, un centre national du jeu vidéo, c'est de pouvoir avoir une taxation à divers points. D'ailleurs, on pourrait avoir plusieurs sources. Ça pourrait être et les manettes, et les consoles et PC, et à la fois la vente de jeux vidéo. Une taxe très très faible, mais qui rapporterait très vite énormément, et qui soit ensuite une aide pour les petits créateurs, ce qui est le cas pour le CNC. Et le cinéma en France reste vivant de cette manière-là. Et plus globalement, je vais défendre aussi Michel, mon collègue Michel Larive, qui vient de sortir un bouquin sur la question culturelle et au sens plus global du terme. Et on voit bien effectivement que si on veut parler de création et de rémunération, il faut savoir où est-ce qu'on prend le pognon, où est-ce que c'est légitime de le prendre et comment on le redistribue. Et donc toute la proposition de loi qu'il a faite aussi sur la question pour les plasticiens, de dire ceux-là ils sont toujours en dehors de tous les clous, il n'y a aucun dispositif public pour les aider, c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas, quoi, fin de l'histoire. Soit il y a des mécènes, soit il n'y en a pas, de se dire qu'on va prendre les œuvres qui sont tombées dans le domaine public pour pouvoir redistribuer et créer des fonds de soutien pour les artistes plasticiens, ça c'est une piste qui est très importante pour nous pour la suite. Mais clairement, ça rentre frontalement en concurrence, et le terme est bien choisi, avec l'économie de marché, la concurrence libre et non faussée. Et c'est les choix que nous ferons demain. Après, je ne suis pas non plus pour avoir une culture 100% d'État et dirigiste, ce n'est pas le sujet. Mais il y a peut-être un juste milieu à trouver pour aider les créateurs qui en font leur métier et leur vie. On va prendre une dernière série, désolé, le temps file très très vite. Une dernière série de 4. Alors bonjour, moi j'avais une question par rapport un peu au cinéma. Je voulais savoir, c'est une question un peu naïve et peut-être aussi un peu égoïste, un peu personnel, mais si on a autant de mal à concurrencer peut-être Netflix, est-ce que c'est par rapport au fait que le cinéma français est peut-être pas assez inclusif? Par exemple, moi, en tant que personne noire, ou peut-être d'autres gens, des Asiatiques, des peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas parce qu'ils ne se voient pas assez à la télé, au cinéma ou dans les séries. Et peut-être que, sur Netflix, même si ça va être par rapport à d'autres pays, mais on les voit plus là-bas, ils sont plus représentés. Donc, est-ce que c'est aussi par rapport à ça qu'on a du mal à s'adapter, que ça ne représente pas assez de gens? Et voilà, c'était ma question. J'en fais une autre. Est-ce qu'il y a une question d'une une femme en l'occurrence, on peut alterner je sais, ça peut. Bon. Ouais. Non, mais on va. Je vais me suggérer là. Oui, du coup, moi j'avais une autre question. Donc bonjour, Jean-Monsieur. Ouais, pardon. Je suis étudiant en école d'ingénieur en électronique et en informatique industrielle. Donc. Déjà, le rapport égalité homme-femme, on le voit tout de suite, il y a un gros problème. Et je suis joueur, très, très régulier, moi. Et j'avais plus une question qui a été rapidement abordée par Alexandre sur justement le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Parce que finalement, j'ai l'impression que ça arrivait vraiment très, très tard, comme il l'a dit. Et c'est peut-être plus une question, du coup, pour Mylène, et comprendre, du coup, pourquoi ce genre de choses sont arrivées si tard. Surtout qu'on peut prendre encore l'exemple d'Ubisoft, qui finalement, vraiment, est...
est très connu dans ce milieu-là, et on a vu plein de scandales, hein, que ce soit le harcèlement sexuel, des tentatives d'agression sexuelle, et il y a eu un gros changement au niveau de leur direction très récemment. Et donc ce genre de choses, comment ça se fait que, entre guillemets, la parole se libère que maintenant, même si du coup ça doit être très compliqué, hein, je ne suis pas à leur place, mais du coup comprendre pourquoi dans ce domaine-là précis du jeu vidéo, ça arrivait plus tard que dans d'autres domaines finalement. Toute dernière, bon. Oui, alors, ce sera la dernière question. Ouais. Ok. Donc, deux choses. Premièrement, quelles sont nos propositions sur la chronologie des médias ? Parce qu'on a vu que la diffusion est impactée par les plateformes. Et donc, qu'est-ce qu'on propose sur la chronologie des médias ? Et deuxième chose, être dans une logique de l'offre, ça a aussi des grandes limites, on l'a vu. Et en fait, l'économie des plateformes, elle vient percuter cette logique de l'offre. Et peut-être pour le meilleur, quand on voit, par exemple, que sur Netflix, le film de Kerry James, Banlieusard, a fait 2 millions de vues en une semaine et qu'il a dit que jamais le cinéma français n'aurait financé un film comme ça. Ça rejoint un peu ton intervention. On voit aussi que certes, le but, c'est pas d'aller que sur Netflix et de créer des algorithmes dont le but, c'est de capter l'économie de l'attention. Mais ça montre aussi tout ce qu'il y avait de rance et les scories du cinéma français et l'opportunité que nous offrent ces plateformes pour passer à autre chose. Avec peut-être... sur cette médiathèque publique, l'idée de fonctionner pas forcément de manière centralisée, mais décentralisée. On se souvient, il y a quelques années, était apparu Popcorn Time, qui permettait de voir des vidéos en faisant de l'échange de pair à pair de vidéos en streaming. Et donc, de manière complètement décentralisée, on fonctionnait en streaming décentralisé sans curation centrale et sans centralisation de l'offre. Voilà, c'était mes petites remarques. Merci. Je vais répondre du coup tout de suite à la question qui m'était adressée. Déjà, la libération de la parole, oui, on a vu des scandales sur Ubisoft qui sont sortis, donc des choses effarantes, mais parler de libération de la parole, pour moi, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a que des choses sur Ubisoft qui sont sorties. Or, ce serait... Enfin, il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y a pas que chez Ubisoft qu'il y a des problèmes. Pourtant, on a d'autres très grosses entreprises en France qui ont des problèmes également et dont rien ne filtre. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je parlais tout à l'heure de métier passion, je pense que ça profite de ça, hein. Tout simplement, quand on prend la parole, on a peur d'une pour son travail actuel, mais surtout d'être grillé dans une industrie où le networking est très important, tout le monde se connaît, les références, c'est quelque chose de très important quand on cherche un travail. Si demain je dénonce mon employeur et que mon employeur est copain avec tous les gros employeurs qui seraient susceptibles de m'embaucher, il y a quand même de grandes chances qu'à un moment je ne retrouve pas de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est un gros frein, et c'était exactement pareil pour moi pour les syndicats. Effectivement, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo est très récent, mais pour donner un exemple très personnel, moi j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans. J'étais dans une entreprise avec des centaines de salariés, mais sans représentant du personnel, parce qu'il y avait différentes magouilles et montages pour que ça ne soit pas le cas. Et si quelqu'un commençait à évoquer l'idée, on nous regardait en mode « Tu veux des représentants du personnel, c'est ça ?»« Ah non, pardon, j'ai rien dit. » Enfin, on en était là et on en est encore là, donc on a aussi très peu de syndiqués dans le jeu vidéo. Tout simplement, encore une fois, vraiment, on profite du fait qu'on est des passionnés, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on ne veut pas changer de secteur. Et tout simplement la peur de se faire griller. C'est aussi pour ça qu'on a des gens qui vont à l'étranger, parce que c'est quand même plus facile du coup d'aller s'exporter quand on... plus risqué parce qu'on a une grosse protection salariale en France, mais il y a d'autres avantages qu'on ne retrouvera pas, notamment à ce niveau-là, quoi. Et juste un point en 15 secondes, c'est qu'en fait, il faut aussi comprendre que dans le monde du jeu vidéo et des travailleurs du jeu vidéo, c'est en train de disparaître parfois, mais ça reste quand même assez prégnant. Les studios de développement font travailler les salariés sur des logiciels spécifiques aux studios de développement dans lesquels ils travaillent. Quel est le problème ? C'est que derrière, vous avez une mobilité salariale très limitée, puisque si vous travaillez chez Rockstar Games et que vous voulez aller chez un autre studio de développement XY, le logiciel n'étant pas le même, votre applicabilité, votre employabilité est beaucoup plus limitée. Voilà. Oui, non, c'est en train de disparaître, mais c'est quand même un truc qui reste un élément. Je vais me permettre de répondre aux deux questions qui ont été posées par rapport à la représentation de la diversité de la société française dans l'audiovisuel et le cinéma, et sur la logique d'offre et de demande par rapport à Netflix. Alors, votre remarque, elle est juste, et c'est bien ça mon drame, d'une certaine façon, dans ce que je défends, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la société française
n'est pas représentée, ou du moins n'était pas représentée. Et il y a des progrès considérables qui ont été faits, j'espère que vous en êtes aperçus. Et en plus, moi, je n'aurais pas cité le film de Kerry James, parce que le film de Kerry James que j'ai vu reste quand même dans le cliché, si je puis me permettre, des gens des banlieues qui dealent du shit avec celui qui fait des études et qui aimerait bien s'en sortir et qui aimerait bien que son petit frère y arrive et tout ça et tout ça. Ça, cette histoire-là, ça fait 4 ans qu'on l'entend, on n'en peut plus. Et ça, c'est vraiment des clichés. Bon. Alors c'est des clichés, en tout cas c'est pas que c'est forcément, ça correspond peut-être à une histoire qui est une réalité, mais en tout cas moi personnellement j'en ai vraiment ras le pompon d'entendre cette histoire et j'aimerais qu'on sorte de ça. Et qu'il y a des réalisateurs par exemple qui ont fait un travail très intéressant justement autour de la création de héros très positifs issus on va dire des anciennes colonies comme par exemple Roubaix Lumière, que vous avez pas vu j'imagine, avec Roche Dizem, où Roche Dizem a un rôle d'un flic complètement solaire qui ne fait pas abstraction de ses origines mais qui en même temps ça n'est pas central. Et des héros positifs, ils sont aussi créés à l'extérieur de Netflix, c'est ça que je veux dire. Bon. Et donc tout ça, c'est en train de changer, et je pense pour des raisons qui sont en fait exogènes au secteur, qui sont que la société, elle change, et que du coup, le secteur est obligé de s'adapter. Et que oui, le secteur a été pendant longtemps, on va dire, trusté par une classe particulière qui ne parlait que de son histoire et de son petit problème de prof et tout ça, voilà, bon. Après, sur la logique de l'offre, Netflix a des algorithmes, connaît ses abonnés, et les connaît bien mieux même que les producteurs à qui leur confient leurs films, et c'est aussi ça notre sujet. C'est-à-dire qu'ils ont un avantage, et là, la dame est partie, mais un avantage concurrentiel clair, c'est-à-dire qu'ils ont une visibilité sur les films qu'ils ont en ligne que les producteurs de films n'ont pas. Et que donc du coup, il parle au public. Si vous avez regardé, et là je commençais à faire un débat avec monsieur d'Averti, mais sur Netflix justement, il y a une série qui s'appelle The Eddie, avec Leila Bekti et Taha Rahim. Et justement, on voit qu'il y a une société rêvée qui n'existe pas dans la réalité en France, qui se passe dans le 19e, et c'est un mec qui est maghrébin et pour qui la vie ne pose pas de problème, en tout cas dans ses origines, en France. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, bon, après, en tout cas, difficilement. Et pourtant, The Eddie le propose. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'algorithme a des informations sur, en fait, le public de Netflix qui, en fait, d'une certaine façon, aimerait bien que ça change en France. Bon, voilà. Et donc, ça répond à vos attentes. C'est ça, mon sujet, aujourd'hui. C'est en ça que je parle de logique d'offre et de demande. C'est ça. Le vrai sujet, c'est un sujet de démocratie et de société. Ouais. Moi, je vais juste dire que je veux pas qu'on puisse se dire que bah, c'est foutu, c'est bon, Disney, Netflix, tout ça, ils ont 90% des parts de marché, donc c'est pas la peine. C'est comme sur, tout le monde prend son rendez-vous médical par Doctolib, donc on s'en fout. Ne créons pas une application publique pour réserver son rendez-vous chez le médecin. Bon, voilà. Non, je pense qu'il va falloir à un moment donné que l'État, en tant que puissance, en tant que pouvoir, puisse dire, bah ouais, on compte aussi dans la partie, ça ne veut pas dire écraser les autres plateformes, elles continueront de vivre, etc., mais de pouvoir avoir ce mécanisme de redistribution, ce mécanisme plus vertueux, etc. Et je crois que d'ailleurs, créer ce genre d'outils publics, à la fois pour aider la création, pour aider la diffusion, etc., serait plébiscité par une partie des citoyens si ça répond à leurs attentes, encore une fois. Et c'est sûr que jusqu'à présent, les expériences publiques qui ont été faites ne sont jamais véritablement des expériences publiques. Elles sont toujours avec le biais soit d'Orange, soit du coup par le biais TF1, de machin, de consortium qu'on met, et qu'il y a un mec qui fait du business derrière, qui certes a planté son projet parce qu'il n'a pas mis aussi autant de pognon que Netflix, mais il s'y est retrouvé quand même à la fin parce que c'est le public qui a mis la différence. Voilà, ça c'était l'idée de la dernière plateforme publique avec Orange, Dailymotion, machin, où on retrouve toujours les mêmes opportunistes, pantoufleurs de l'État, anciens inspecteurs des finances qui font des allers-retours et compagnie, qui plantent le projet, qui ont pris le pognon au passage, qui disent « Ah bah oui, bah finalement Netflix, ça remplit une fonction et nous occupons-nous de que le service public s'occupe des niches. » Non, le service public peut s'occuper des masses aussi, de la culture de masse, et c'est le même sujet sur le jeu vidéo et la création, même si je pense qu'on ne va pas avoir une plateforme type Steam publique qui va concurrencer Steam. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment
pas exactement le même sens, mais qu'on pourrait faire effectivement des efforts dans les médiathèques, mais pas seulement, parce que dire il faut faire découvrir le jeu vidéo aux jeunes des quartiers populaires, bah, il n'y a pas que les jeunes des quartiers populaires qui pourraient découvrir le jeu vidéo, je pense que les jeunes de la ruralité, qui ne sont pas forcément les quartiers populaires, sont aussi complètement éloignés des jeux vidéo, ne les verront pas à l'école non plus, etc. Non, mais sûr, Non, mais je veux dire, il faut que ce soit une offre du service public en général dans le pays. Et oui, moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des consoles dans les médiathèques où tu viens jouer, parce que, en fait, en réalité, si tu viens jouer dans une médiathèque, ben, y a un moment donné où tu vas arrêter la console et tu vas aller choper un bouquin que tu n'aurais pas pris, tu n'aurais pas lu si tu n'étais pas venu jouer dans la médiathèque, quoi. Voilà. Je le dis comme ça, et tu n'aurais pas rencontré le médiateur culturel qui est là, tu n'aurais pas rencontré d'autres joueurs. Bon, c'est ça aussi la force de se dire, je réponds à Dame qui était là tout à l'heure sur le spectacle et sur le côté humain, il ne faut pas croire que parce qu'il y a de l'immatériel, du numérique, du coup ça veut dire qu'on reste chacun dans sa chambre, dans son coin, etc. D'ailleurs, le monde du jeu vidéo le montre, à chaque fois qu'il y a des événements physiques pour se retrouver, ce sont des cartons, les gens viennent, bon, pour le Covid c'est pas terrible, mais en tout cas ça marche bien, quoi. Donc il faut arrêter de poser ces logiques là parce que ça ne correspond même pas à la réalité. Voilà, merci. Bon, merci à tous pour cette belle après-midi.